Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu de Scrap Didi. Donc, je me suis enfin laissé tenter. Je vous avais parlé dans une ancienne vidéo que j'allais faire un abonnement ou pas de la box que proposait le site de la boutique Scrap Didi. Donc, c'est un site de scrap, hein, forcément. D'où le titre, hein, Scrap Didi. Voilà. Donc, j'ai reçu ma box. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas la partager avec elle, avec toutes les copines. Voilà. Donc, en fait, c'est soit on prend un abonnement de 3 box dans l'année, ou soit on prend un abonnement de 6 box pour l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une tous les 2 mois. Donc là, si j'aurais pris 3 box, ça m'aurait fait janvier, mars et mai. Tandis que là, j'ai... Oh là, il y a plein de soleil. On est dans le nord, il y a du soleil. Que voulez-vous? C'est pas grave. Donc, du coup, j'ai pris l'abonnement pour 6 box. Donc, c'est-à-dire pour toute l'année. La box, normalement, est à 26 euros et des brouettes. Et là, elle était à 23 euros et des brouettes si on prenait les 6 box. Donc, je me suis dit, bon, eh ben, on gagne 3 euros à chaque fois par box. Ça se dit, ça se prend. Donc, du coup, je me suis abonnée pour un an, pour 6 box. Et je viens de recevoir celle de janvier-février. Voilà. Donc, eh bien, je suis contente. Et j'ai regardé un petit peu les produits à l'intérieur. Et j'adore. Donc, eh bien, je me dis 23 euros sur 2 mois, ça fait 10 euros, 11 euros par mois. Eh ben, pour un petit abonnement de scrap, eh ben, je trouve que c'est assez sympa. Et je me suis dit, ben, je vais tenter celle-ci cette année. Et pourquoi pas tenter une autre dans une autre boutique un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, celle-ci me plaît. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. Comme ça, on va voir ce qu'il y a dedans. On va regarder tout ça ensemble. Et vous allez voir que c'est assez sympatoche. Voilà. Donc, après, le site, c'est ça. Hein. Voilà. Si vous voulez aller voir, Scrap Didi. Hop, paiement par PayPal en plus, sécurisé, tout nickel, franchement, ça arrivait en temps et en heure. Donc, on y va. Vous voyez, j'ai encore mes dentelles sur mon bureau parce que je n'ai pas encore fait la petite boîte que je dois décorer avec vous. Donc, à l'intérieur, on a un petit bonbon comme ceci à la framboise. Après, ça dépendra le parfum que vous avez, hein. On a le petit... Maintenant, avec l'option Thaïs. 10 euros, ça, 2 euros. Voilà, donc il vous propose tout ça. Voilà. Donc on a une petite carte avec toutes les infos de la boutique pour les abonnements. Ensuite, on a à l'intérieur de la box tout le récapitulatif de la box. Donc c'est pas mal, hein. Donc en plus, on a un petit mot. Tout d'abord, il nous présente les meilleurs voeux pour l'année 2021. Donc, à l'intérieur de la box, on trouve un lot de tampons en caoutchouc monté, un mot en acrylique adhésif, un lot embellissement en carton en bois, un mot en carton en bois adhésif, un pochoir, donc ça c'est bien, une planche d'étiquette et de mots, ça aussi ça sert toujours, un lot de 4 badges 25 mm et le plus de Monsieur Didi. Donc, ça c'est nouveau, donc c'est Monsieur qui doit faire des créas. Et qui le glisse en même temps dans les box. Donc, je trouve que c'est super sympa. Donc, la box, toujours 100% fait main, en plus, avec des produits 100% Scrap Didi et dessinés spécialement pour vous. Donc, on ne peut pas les trouver nulle part. Hein. C'est vraiment des créations maison. Donc, il y a Amandine, Geoffrey, Matisse, Amy, alias Scrap, voilà, Scrap Didi. Donc, c'est Amy qui a ouvert sa petite boutique. Super sympa. Donc ils font pas que des box, hein, forcément, ils font aussi du scrap, des tamponnages, etc. qu'on peut retrouver, je pense, ces échantillons, enfin ces échantillons, ces articles-là dans la boutique de scrap. Donc là, on a le plus de Monsieur Scrap Didi. De Monsieur Didi. Et hop, on a le petit nounours comme ceci. Je vais peut-être vous mettre comme ça. Là, on verra mieux. Oui, voilà, on verra mieux. Voilà. Les petits oursons. Donc, j'avais passé une commande pour mon Noël.
dans la boutique et je m'étais commandé un petit tampon comme ça, nounours, avec des petits objets de musique. Donc là, bah, j'ai un chipboard, donc ça va aller avec, hein, forcément. Donc hop, voilà. Super gentil, monsieur Didi. Nickel. Donc à chaque fois, j'aime bien parce que tout est emballé soigneusement, c'est propre, c'est fin, c'est net. Voilà. Donc, je ne regrette pas mon abonnement pour l'année. Donc là, on a un mot en carton, bois adhésif. En plus, il est adhésif. Donc c'est nickel. Donc c'est marqué portrait de famille. Donc ça, bah, c'est parfait pour la suite. Hein. Avec Margot, je pense que ça va servir pour les embellissements, pour les albums. Ici, on a des petites clés avec un cadenas. Donc là, c'est des embellissements en carton bois. Et c'est très joli aussi. C'est tout ce que j'aime, donc c'est parfait. Ici, on a des badges. Je pense à toi. Donc c'est marqué je pense à toi, bonheur, mon bonheur et ensemble bonheur. Vous voyez? Dans les couleurs très douces en plus, j'aime beaucoup. Ici, on a un mot magique, mot en acrylique adhésif. Donc à chaque fois, c'est adhésif, ça c'est parfait aussi. Magique. Voilà. Et il n'est pas très épais, donc ça c'est parfait. Non, franchement, il est bien. Très très bien. Ensuite, on a la planche de mots, planche d'étiquette et de mots, c'est ça. Et franchement, c'est ça reste toujours dans les mêmes tons, hein. Toujours dans les mêmes choses. Donc là, on a les petites bannières, on a les étiquettes ici, et on a tout ce qui est petits mots ici. Donc après à découper, hein, et puis à coller sur vos albums, sur vos pages de scrap. À conserver précieusement mon idée du bonheur, le secret du bonheur, sourire à la vie, partir à l'aventure, moment ensemble, douceur, se balader sous la neige. Non, franchement, c'est bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je regrette pas. Hein. Quand je l'ai ouverte, c'était hier que je l'ai reçue. Et franchement, je ne regrette pas. Il est super bien. Et là, on a le pochoir, flèche en cœur. Voilà, comme ceci. Très joli. Franchement, il est bien. Il est assez épais. Je vais vous le sortir quand même. Je vais vous le montrer. Si j'arrive à le sortir. Oui, c'est normal. C'est parce qu'il a accroché dessus. Avec la mousse 3D. C'est bien, mais ça colle. Bon, je le ferai après au curare, enlever le collant sur le pochoir. Hop. On a le pochoir comme ça avec les petites flèches et il est assez robuste. Non, c'est bien. Et à chaque fois, c'est signé en dessous. Hein. Enfin, non, on ne voit pas. C'est marqué toujours Scrap Didi. Très bien. Super contente. Non, ils font ça bien en plus dans les pochettes. Tout est bien. Tout est bien pensé. Et c'est agréable d'ouvrir une box comme ça. Moi, tout n'est pas dans le carton, à l'air de dire, tiens, hop, voilà. Non, là, c'est travaillé, c'est bien fait, quoi. Et là, on a la planche de tampons. Alors là, c'est pareil, hein, je me dis, quand on achète des tampons individuels comme ça dans des boutiques de scrap, c'est hyper cher. Et là, ben, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 5 tampons, vous voyez? En plus, monter sur mousse. Donc là, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a juste à coller sur le bloc acrylique et à tamponner. Franchement, c'est nickel. Et ça nous donne ceci. Donc, on a les petits nounours qui revient. Trop choupi. J'adore. La petite tache ici. Comme si c'était un coup de pinceau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et là, on a un mot
un tampon de fond comme ça avec tous tes mots. J'adore. C'est marqué « Profiter de chaque seconde, être fier de soi, se réjouir des petites choses, se faire plaisir, faire de son mieux, lâcher prise, souvenir, ne pas être parfait, profiter du calme. » Je trouve que les clés du bonheur, ensemble, savourer nos moments, c'est vraiment des mots très, très sympas. Je vous mets là de tout près. Donc franchement, là, contente. Je vais... apprécier, je pense, celle de mars parce que c'est super bien. Voilà, je regrette pas. J'en avais discuté avec Fred. J'avais dit, bon, est-ce que je fais l'abonnement ou pas? Je rebascule sur ma tête. Le soleil est un peu parti, donc ça va aller. Je me disais, est-ce que je fais l'abonnement ou pas dans la boutique? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Et puis, tout compte fait, eh ben, je regrette pas. Voilà. Donc, ben, j'attends les prochaines box avec impatience. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais c'est pas possible. Avec impatience. Et puis, j'ai l'impression d'avoir un suceux sur la langue. Donc, du coup, en plus, c'est super bien emballé. Ça arrive, c'est bien protégé, tout ça, dans une enveloppe bulle. Franchement, c'est nickel. C'est professionnel. J'adore. Je regrette pas. Voilà. Et puis en même temps, si dans notre atelier, si on veut stocker nos petites boîtes les unes sur les autres, franchement, c'est parfait. Hop, tout est là dans la petite boîte. C'est nickel, c'est pas éparpillé comme ça dans l'enveloppe. C'est top. Donc, eh ben voilà, j'espère que la petite démonstration de ma box vous a plu. Je vais essayer de faire là, après... C'est l'heure du biberon. Voilà. Donc, je verrai après si j'ai le temps de vous filmer la box. Enfin, la box. La cagette que je dois customiser avec vous. J'ai déjà préparé des petits trucs. Enfin, des petits trucs, il n'y a qu'un seul truc. J'ai déjà préparé mon papier, etc. Je sais à peu près dans quoi je vais partir. Et je vais sûrement la faire avec vous en vidéo. Donc, eh ben, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis ben, à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'espère que je vais pouvoir filmer. Là, j'ai vraiment ouvert la box parce que je me suis dit, ça va, je peux m'arrêter en cours de route si jamais Margot se réveille. Tandis que si je me lance dans la création de ma boîte, eh ben, si elle se réveille, ça coupe tout et je ne pourrai pas recommencer parce qu'elle sera déjà finie. Donc, il faut vraiment que je trouve un timing. Oh là 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 là, je me fatigue. Pour que je puisse le filmer tranquillou, sans que Margot se réveille. Parce que sinon, on est dans le caca, je suis obligée de tout recommencer. Et forcément, je ne pourrais pas recommencer puisqu'elle sera déjà finie. Donc, vous la montrer finie, ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère bientôt. Il y a aussi le tuto sur mon rangement des encres à vous montrer. Vous allez voir, c'est super simple. Mais c'est pareil, il faut que je prenne le temps pour la filmer. Voilà. Les collages, etc. Ben, ça se fait en vidéo, en tuto. Et avec Margot, faut trouver le temps. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.